初めてね。Merci beaucoup. À présent, le dernier groupe du programme des
the second group of the Master Business Administration. Donc le deuxième groupe du Master in Business Administration, c'est ça? Donc le MBA 2. Paling nga ron def def am nga waxat
même pas d'une journée, vous méritez qu'on exécute l'hymne national pour vous, cher lauréat. Et bien, comment vous le savez, 3 ans, 5 ans, parfois un peu plus, c'est parce que vous êtes courageux, c'est parce que vous avez été très bon, c'est parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts. Mais mieux que moi, vous savez que vous n'avez pas été seul dans ce combat. D'autres vous ont accompagné. Ça peut être papa, ça peut être maman, ça peut être le mari, l'épouse. Et je vais vous demander à vous de vous lever, de vous lever. Et nous allons applaudir pendant 30 secondes pour les parents. De gestion et de partage des connaissances.
Michel Posna, directeur de l'IRIA, Sophia Antipolis, lui rendait ce vibrant témoignage, je cite. Au-delà de sa personnalité, disait-il, de l'exemplarité de son parcours académique et professionnel, nous louons les qualités de visionnaire de Roselyne Proust, une scientifique qui a su s'attaquer très tôt au problème de la modélisation des connaissances et de leur acquisition. Au lendemain de l'intervention du web et bien avant sa diffusion planétaire, quelle perspicacité pour entrevoir ses applications, comprendre ses limitations et déchiffrer son évolution. Ce fait est preuve non seulement d'une remarquable présence scientifique et d'une grande confiance en soi, mais aussi d'un rare esprit d'indépendance que de sortir de la voie royale de l'académisme pour se lancer seul sur le sentier difficile et risqué de l'inconnu et de la découverte. Fin de citation. Chers invités, une génération de jeunes ignore, certes, jusqu'au nom de cette scientifique de génie, arrachée à l'affection des siens et à la communauté intellectuelle beaucoup trop tôt, alors qu'elle n'avait que 52 ans, la tête bourdonnante de projets et de rêves. Il reste que le témoignage de sa vie inspirera beaucoup de jeunes Africains et Africaines en perte de repères dans ce monde et plus que quiconque à vous, chers lauréats, dont la promotion a l'honneur et le privilège de porter son nom. En elle, nous rendons un hommage chaleureux à la femme de génie et de cœur qui encourageait les autres Africains à se lancer à l'assaut des nouvelles technologies. Pour finir, nous vous proposons chaque année des exemples immortels de noblesse et de beauté, qu'ils soient encore de ce monde ou dans l'au-delà, ces derniers représentent et incarnent des vertus qui méritent le plus grand souvenir. À travers eux, nous célébrons aujourd'hui la fidélité de l'amour et une admiration qui ne mérite pas, car il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants et la transmission à vous, jeune génération, du nom et de la gloire de ceux qui ne sont plus, mais qui vivent à jamais dans l'esprit et dans le cœur de ceux qui se souviennent. Je vous remercie de votre attention. Madame le recteur de l'Université de Thiès, Monsieur le directeur général du groupe ISM, Madame la directrice de Thiès, Monsieur le commandant de Renova, Messieurs les administrateurs de zone, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, chers amis, chers membres de l'administration, chers professeurs, chers récipiendaires, étudiants, parents, amis, honorables invités. Nous vous remercions d'être venus si nous avons assisté à cette cérémonie de la Régie.
ministère des secondaires de la promotion 2018-2019. Donc, Marraine et Madame Gauzien-Kunz, cette présence constitue pour nous une extériorisation d'un hommage que vous nous rendez. Et nous espérons du fond du cœur que ceci se pérennise. Chers étudiants, il y a déjà 3 ans, nous vous avions souhaité la bienvenue à l'occasion de votre amphi de rentrée, qui consacrait le début de votre parcours. Aujourd'hui, nous revenons vers vous pour vous féliciter de vous en être sorti, et surtout pour vous en être sorti avec des diplômes. Cette année-ci, le choix a été porté sur ma modeste personne pour partager avec vous une nouvelle approche de l'entrepreneuriat orientée vers les nouveaux métiers du marketing digital et qui constitue une aubaine pour les jeunes entrepreneurs que vous êtes. Mesdames et messieurs, d'après le rapport de l'Agence nationale des statistiques et de la démographie, le taux de chômage aurait déjà atteint 18,8% de la population active toucherait beaucoup plus les personnes qui ont un niveau d'études avancé. Et la plupart d'entre eux sont âgés entre 15 et 34 ans. Après des études, beaucoup de jeunes ont du mal à trouver le bon travail et ne savent que faire de leur temps. Chers invités, chers étudiants, oui, je vous parle du temps. Savez-vous ce qui peut se passer en 60 secondes sur Internet? En une minute sur Internet, figurez-vous que nous avons 4 millions de recherches sur Google. Nous avons 1 million de connexions sur Facebook, 2 millions de snaps créés, 4,5 millions de vidéos vues sur YouTube. Et figurez-vous que nous avons 500 millions de francs CFA qui sont dépensés chaque minute sur Internet. Et je vous parle de 60 secondes. Au regard de ces chiffres, ne devrions-nous pas considérer Internet comme un marché de rêve, un nid d'opportunités pour ces jeunes qui aspirent à devenir des entrepreneurs? L'entrepreneuriat, encore une fois, parlons-en. Une large acception voudrait qu'elle désigne le fait de mener une activité dont on est soi-même initiateur, comme le montre son étymologie. Le dictionnaire nous donne des synonymes comme commençons, tenter, s'engager. 3 verbes d'action qui définissent parfaitement le sens utilisé par ce terme. L'entrepreneuriat se définirait donc comme une faculté de créer de la valeur ajoutée à partir de ressources très limitées qui sont exploitées afin de pouvoir répondre à une demande exprimée par des consommateurs. Et comme disait Peter Drucker, le but d'un business est justement de créer des consommateurs. Et si le marketing se définit comme étant le fait d'identifier et de satisfaire de manière rentable les besoins des consommateurs, la façon aujourd'hui dont les consommateurs, et je dis bien consommateurs, prennent leurs décisions d'achat, rend le marketing digital obligatoire pour tout entrepreneur qui cherche à se démarquer de ses concurrents. Peu importe la taille et le secteur d'activité de son entreprise. Dans un environnement où la digitalisation est passée à une vitesse supérieure, le web marketing est devenu un moyen de communication incontournable. Bientôt, la totalité des consommateurs n'utiliseront que des canaux digitaux pour faire leurs achats. Une entreprise qui ne consent pas à recourir au marketing digital est tout simplement voué à un échec. Et si entreprendre aujourd'hui peut se résumer en un mot, c'est-à-dire à oser. Donc, chers étudiants, chers étudiants, osez. Osez porter votre idée et osez défendre ce travail. Osez prendre des risques, mais de façon raisonnée. Osez maximiser votre temps et pensez à bien fixer vos objectifs. Osez innover, réinventez-vous, réorientez-vous, mais surtout, osez persévérer, même après un échec. Chers parents, nous vous demandons pour un avenir meilleur de vos enfants et pour que vos
sacrifice ne soit pas vain. Osez vous aussi. Osez donner la chance aux oiseaux de quitter le nid. Osez croire aux rêves de vos enfants. Osez investir dans les projets de vos enfants. Pour terminer, j'ai la certitude que ISM nous a gratifié de jeunes acteurs digitalement formés et informés. Si vous me permettez cette expression, bien sûr, ces jeunes diplômés sont aujourd'hui assez outillés pour participer à cette révolution digitale qui s'opère. Tout au long de votre processus entrepreneurial, l'entrepreneur pourra se reposer sur les différents réseaux sociaux qui rencontrent pour bien intégrer le marché et faire connaître son projet. Ces réseaux que vous maîtrisez, ces réseaux que vous fréquentez, ces réseaux qui constituent votre quotidien, ces réseaux dans lesquels vous vivez. Chers diplômés, chers parents, chers professeurs, chers membres de l'administration, pour réussir, retenez bien ces trois maximes. Voir, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir. Et oser, c'est avoir. Sur ce, je vous présente mes félicitations encore une fois. Bon courage et très bonne continuation.
Et l'animation n'est pas encore finie. Mais est-ce que tu as le même sentiment que moi? J'ai l'impression que ces lauréats sont un peu... Je ne veux pas dire le mot, ils ne sont pas très chauds. Je ne vous sens pas, chers lauréats. Je ne vous sens vraiment pas. Alors, on va dire notre cri du cœur. Si vous le connaissez bien, aujourd'hui et celle demain. Voilà, c'est ce que je te disais, ils sont plutôt assez bons. Mais c'est l'émotion. Yeah.